Ben, ce qui est intéressant avec le Mundaneum, c'est que c'est beaucoup de choses à la fois en définitive. Ce n'est pas une simple attraction culturelle ou touristique comme on pourrait l'imaginer. C'est un peu ça quand même. C'est beaucoup du patrimoine à travers l'endroit où les collections sont exposées, où il se déroule des événements, à travers les collections elles-mêmes. Mais c'est aussi un projet scientifique. C'est à la fois du passé et à la fois de l'avenir, puisque le passé, c'est les vieux papiers et l'avenir, ben, c'est ces développements à travers les nouveaux médias. Donc, ce qui est passionnant dans le projet du Mundaneum, je trouve, c'est que c'est un projet un peu multiforme. Ce n'est pas monothématique, etc. Et que c'est ça qui est très bien pour moi, c'est de pouvoir intéresser à la fois des chercheurs, des touristes, des amoureux du patrimoine. Voilà.